Étienne est arrivé, il a foncé sur tout le monde. Sur tout le monde. C'est la fin du feu d'artifice à Nice. Ce camion fonce sur la foule. Un groupe donne un concert sur une scène de la promenade. C'est l'incompréhension. De terminer notre premier morceau, quand en fait on a vu un camion passer derrière la foule. Et donc j'ai crié quelque chose dans le micro, je sais même plus ce que j'ai dit, et il y a un mouvement de foule pas possible. Sur 2 km, le camion vacille de droite à gauche. Un camion qui fait 15 mètres de long, qui roulait à plus de 80 km/h, qui arrachait tout, les poteaux, les arbres, tout. Il y avait des tirs en même temps que le camion passait. Je ne sais pas ce qui se passait, si c'était des terroristes qui étaient dans le camion qui tiraient sur la foule, je ne sais pas. Des milliers de personnes ont assisté au feu d'artifice. Tous tentent de fuir. Certains passent par les lieux du drame et décrivent. C'était vraiment des visions de champ de guerre, hein, qu'on a traversé la promenade des Anglais. C'est fou de voir cet endroit pareil et de voir des gens assassinés de partout. Ça me fait mal au cœur. J'ai mal pour les Niçois, mais j'ai mal pour la France. Le conducteur est ensuite abattu. Pendant plusieurs minutes, la ville a été plongée dans l'horreur lorsqu'un jour de fête vire au cauchemar.